c'est la première fois que la force policière finit dans la bande trade union. Et depuis janvier de cette année-ci, que la loi finit programmée, nous trouvons qu'il y en a trois groupes qui perdent attention, qui n'ont resté avec l'ordre extrêmement, pour former trade union. Notre objectif, ce workshop-là, c'est de nous donner l'éducation sur la bande trade union, members et sa leaders, la bande leaders qui est là, bande membres qui est là, et membres de la force policière, qui veut dire trade union exactement, qui se doit, qui se capable de faire, qui se pas capable de faire. Nous prenons 4 sessions en total pour cette mois-ci. Et puis ça, ce qui peut arriver, nous pouvons quitter si le positif, le membre est satisfait avec ce workshop-là, nous allons continuer pour les autres groupes encore. Pour nous, à management level, nous avons envie que le maximum de la force, plusieurs membres de la force policière au courant qui veut dire trade union et qui ont droit d'être en tant que membre ou en tant que membre de l'union ou leader de l'union. Nous pouvons encore, avec ce workshop-là, encourager les gens. Parce que ce n'est pas seulement trois, si c'est un bif au manque ou l'union, je dois droit vous mettre à cause de ça que nous pouvons mettre bien au clair que ce n'est pas c'est un groupe, deux groupes, ou bien plusieurs groupes capables de former notre propre union. Et ce gouvernement-là fait un programme ça là. Et pour nous, c'est bien, parce que peut-être nous ne pouvons pas tout problème la force policière, la bande policière qui ont gagné. Nous, comme nous avons dit, c'est la Police Federation Group qui est là, et nous avons un meeting très régulièrement pour discuter de problèmes policiers. Maintenant qu'il peut y avoir plusieurs groupes qui peuvent avoir plusieurs problèmes, tout le groupe qui est représenté de la force policière, nous pensons qu'il peut y avoir un meilleur forum pour nous sortir de problèmes qui concernent les policiers. Et c'est tout le welfare des policiers. Nous sommes très conscients, si un Jimoun welfare sur les policiers, nous ne prenons pas en compte, définitivement, il peut y avoir un impact sur nos résultats opérationnels dans le passé. Comme on peut dire, la Police Federation, c'est un groupe limité. Maintenant, pour un groupe plus large et pour un forum plus amical, nous voulons qui trade union avec le management de la force policière, travailler la main dans la main, partnership complète et nous donner un bon résultat à la fin de la pour sécuriser ce pays-là. Et nous pouvons gagner l'aide avec le ministère de l'Emploi, officier du ministère de l'Emploi, surtout les spécialistes et aussi nous pouvons gagner un peu une season trade union leader qui vont venir dans le futur, qui vont donner instruction, comment je deal avec ce problème et comment nous pouvons deal avec nous. Alors, si nous sommes très d'union leader, je peux enrichir notre capacité building pour faire avec sa bande d'expérience qui est là pour amener là. Il y a une cinquantaine de participants actuellement là.